Walkthrough, on va le finir. De Remothered Broken Porcelain. On a récupéré. J'avais été sauvegardé hier, avant de vous quitter, lors de la partie 1. Et je suis remonté pour, bon bah pour sauvegarder. Et du coup, il y a le téléphone qui sonne. Il faut que je trouve le bureau du docteur Ashman. Bon, là, on sait que c'est la pièce pour les oiseaux. J'ai baissé un petit peu le son du jeu. J'ai augmenté un petit peu la luminosité. J'ai vu que sur la première VOD, il y avait un petit. C'est un peu sombre, on dira. Là, on a une paire de couteaux. Est-ce qu'on peut upgrader quelque chose là? Non. On peut rien upgrader pour le moment. C'est fermé ici? On s'en fout hein, si c'est fermé. Hein. On peut passer à côté. On va courir un petit peu. On a trouvé des clés. Voilà l'étage. J'ai reçu mon pied de micro là pour le road. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment un confort absolu. Alors évidemment, la caméra est toujours aussi merdique, le fond vert à cause de, bah, de la caméra de la PlayStation. Mais sinon, au niveau du son, là, je pense que c'est très bien. Là, il y a une petite corde, vous la voyez, et on peut toujours pas la prendre. Alors le jeu n'est pas exempt de défauts, mais l'atmosphère est là. Et hier, je vais vous avouer. Ok. Bon, là je crois qu'on l'avait fait hier, hein. Ça va de la chambre 200 à 210 et de 230 à 237, mais c'est fermé, ok. On va redescendre. On entend là ce téléphone qui sonne. Le mieux, hein, c'est quand même... Là c'est quoi? Petite clé papillon. The Red Ballroom to the lobby. Je vais mettre le son un tout petit peu plus fort pour moi. Voilà, pour bien être dedans. Moi je cherche. Non, ça c'est pour se cacher. Ok. Là, je crois qu'hier on avait tout fait et tout était fermé, hein. Ça c'est pour se cacher, j'imagine. Ouais. C'est pour se cacher. Non, mais on s'imprègne aussi de la de l'ambiance. Encore une petite clé papillon. Alors les clés papillons, je sais pas encore à quoi ça sert. Je refais un petit tour hein, du proprio. Maintenant que j'ai rajouté un petit peu de luminosité. Ah, j'ai retrouvé une clé papillon encore. Maintenant que j'ai rajouté un peu plus de luminosité, je vous avoue que je vois un peu mieux. Bon, il n'y a rien. Là, il y aura toujours une arme à prendre. Il faudra s'en souvenir quand, si on utilise les ciseaux. C'est fermé. Ah, là, on peut y aller. Voilà. Mais on était déjà venu ici, c'était fermé. Hein. C'était fermé. Et c'est dans cette pièce qu'il y a le téléphone qui sonne. Hein. On est bien d'accord. Et si on regarde nos objectifs, trouver la clé du bureau du directeur, bon, évidemment. Rendez-vous dans le bureau du directeur, répondre au téléphone. Et aussi aléatoirement trouver Lynn. Mais on a la clé de la chambre d'Eichmann. Hop là. J'aime bien faire ça. Donc on va remonter au premier. Parce que je suis pas fou, on a trouvé des clés. Hein. Si je fais ça et que je vais dans les objets ramassés.
Bon, là, c'est toutes les preuves qu'on a trouvées, hein, sur le mec qui s'est soi-disant pendu, les briques de lait qui pixelisent. Bon, je vous dis, hein, le jeu n'est pas exempt de défauts, mais il n'est pas exempt du tout de qualité aussi. L'ambiance est vraiment là. Où peut bien se trouver son bureau? Là, sachant que c'est que ma chambre. Là, c'est que ma chambre. Enfin, là, c'est pas ma chambre, c'est la chambre de Lynn. Alors, elle a droit à un... Ah oui, non, c'est pas deux chiottes, elle a droit à un bidet, pardon. Et là, il y a une paire de ciseaux également. Hein, à se souvenir. Il y a un peu moins d'objets que dans le premier. Ils ont refermé derrière moi. Ok. Bon, ce qui est pas plus mal parce que comme ça me limite les possibilités. Et là, il y a un tournevis. Ok. Donc. Bon, là, c'est ma chambre. J'ai pas besoin d'y retourner. Je peux toujours faire un petit tour pour voir si j'ai pas loupé un papillon. Là, il y a un fascicule. Auberge Ashman, anciennement Rosa Gallo, la grande réouverture, 13 avril 1973. Profitez d'un séjour romantique et trépidant au pied du mont Etna, où les vues époustouflantes et le climat revigorant créent un cadre pittoresque pour notre hôtel rustique. Et pour couronner le tout, découvrez une multitude de produits biologiques. Oh putain, j'ai eu peur, il y a eu un truc, j'ai cru que c'était dans mon dos. Bordel de merde. Et pour couronner le tout, découvrir une multitude de produits biologiques locaux. J'ai cru que c'était ma femme qui voulait me parler. J'ai vu une ombre sur le truc. Mais c'est. J'ai cru qu'elle me faisait une blague. Parce que ça lui arrive. Bon, vous voyez que je suis un garçon assez nerveux. Un jour, je vais lui en mettre une sans faire exprès, quoi. Non, je plaisante. Ok. Non, non, véritablement, j'ai cru qu'il y avait son reflet dans l'écran et qu'elle venait derrière pour me foutre les jetons. Et puis j'ai le casque vissé sur la tête. Donc. Non, 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 là, ok. Non, on va aller plutôt de l'autre côté, là. Là où on n'a pas été, en fait. Là, ce qui est curieux, c'est qu'on entend la sonnerie aussi ici. Je crois que là, il y avait un couloir et que c'était bloqué pour nous. Hein. Voilà, bouteille d'ammoniac. On peut toujours pas fabriquer quelque chose. Lancer, utiliser. Non, on peut toujours rien faire. Bon, ouais, il y a bien le. Ah voilà. C'est sa chambre. Et il dort. Faut qu'on trouve les clés. Sont juste là. Peut-être il va se réveiller au moment où je vais les prendre, évidemment. Bon, je vais pas faire le malin de fouiller sa chambre. Sauvegarder. Oui, je sauvegarde régulièrement. J'aime pas tout me retaper.
Du coup, non, c'était là, pardon. Je commence à comprendre le manoir. Enfin, je dis ça, mais non, je me suis complètement planté. Non, bah si, c'est là. Allez. Oui, j'ai rehaussé un petit peu la luminosité pour vous. Le stream était, pour moi était bon, mais vous c'était un petit peu sombre quand même. By a second. Wait, what's that? Maybe they left a voicemail. Maybe they left a voicemail. Peut-être ils ont laissé un message. On va aller voir ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi. C'est bien foutu, hein. Ariana? Richard? No, it can't be. It can't be them. It must be a coincidence, Jen. Ce seraient mes parents. Enfin, mes vrais parents. Ouais, bon, là, il va se passer quelque chose. Forcément, quand je vais sortir du bureau, il y a un dingue qui va me courir après. J'ai mis le casque à fond. Donc là, je suis bien dedans, quoi. Là, il y a forcément un dingue. Trouver Lynn. Ouais, maintenant il va y avoir un script, il va y avoir quelque chose qui va me foutre les jetons. Quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais réveiller le directeur. Je vais aller dans sa chambre. Bon, déjà, je vais aller sauvegarder. Putain, mais les sons me foutent les jetons. Et quand je jouais à la Switch au tout premier, la Tormented Father, je me chiais dessus un petit peu. Alors pourtant, je suis habitué aux jeux d'horreur. Hein. Je me suis fait Resident Evil 7 en VR. Donc, vous voyez, ça va quoi. Mais je sais pas. Il y a des jours où on est plus dedans. Là, il y a le casque. Je suis complètement dans le noir. Bon, j'ai fait une sauvegarde. Ça, c'est cool. Ouais, c'était par là. Là, c'est pour jeter quoi? Je sais pas, j'ai une sablière ou un espèce de... J'ai quand même envie d'aller voir dans sa chambre ce qu'il y a. Ouais, et puis là, évidemment.
encore ses pompes. Non mais je viens de le faire. Ah, j'ai mon... Comme il est 19 h, j'ai mon écran qui se met en éclairage nocturne. Voilà, c'est mieux. Alors là, du coup, je sais pas quoi faire. Ah oui, la chauffe. La petite... on n'y était que qu'une seule fois. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Tiens, voilà. Protection anti-corrosion. Je peux toujours pas fabriquer un truc si... Description. Applique le bonus corrosif à l'ODR. Vers l'ODR, je sais toujours pas compris ce que c'était. Pour infliger des dégâts progressivement. Nécessaire une paire de ciseaux et voilà, bah je crée. Voilà, j'ai une paire de ciseaux qui... Bah, corrosif. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans la Did petite... Andrea really suspect that someone was poisoning her? But who? On l'avait déjà lu ça. Je ne deviens pas folle, je ne suis pas possédée, c'est dans l'air, dans la nourriture, il m'empoisonne. C'est la gouvernante là, enfin là, une espèce de secrétaire. Donc toutes ces petites bouteilles là, on peut les prendre. Hein. Bouteilles d'ammoniac. Ah, c'est ouvert maintenant. Et on est où là? Ah, il faut faire le choix entre la corde, la bouteille d'ammoniac. Moi je... Je préfère la petite bouteille d'ammoniac parce qu'on peut l'acheter. Bon, la corde, c'est pratique quand même, hein, pour refermer derrière nous. Genre là, on pourrait le faire. Alors ça, c'est pour retenir les portes. C'est bien que je le fasse. Je tente, en fait. On peut pas le faire ici. J'ai un petit carillon. Non. On l'a déjà ramassé celui-là. Hein. On l'a pas ramassé. Là, véritablement. Voilà, alors on a fait le tour. Véritablement, je sais pas où aller. Salle de cinéma, là il y a une bouteille de Sky. On peut essayer de remonter à l'étage. Sachant que le directeur, il est quelque part, hein. Bon. Ouais, hier la session s'est très très bien passée. Ça a duré 2 heures, j'ai rien vu passer. Hein. Enfin, je veux dire, le temps, c'est signe que ça me plaît. Là, j'ai mis le micro juste ici. Hein. À mon avis, vous devez bien m'entendre. Je viens juste de recevoir. C'est le bras pour le micro Rode NTA ou je sais plus quoi. Enfin, et le Rode USB. Là, franchement, je suis très content, c'est très agréable. Puis, il a besoin d'être collé à la table. Enfin bon, c'est mes petits soucis techniques à moi. Vous vous en foutez, vous, tout ce que vous voulez, c'est du divertissement. Vous avez bien raison. Vous êtes trop gâtés. Je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes trop gâtés. Je vous gâte trop.
Quoi, on peut sauter là? Ah bah oui, carrément. Bon. Mais écoutez, je sais pas. Je vais retourner dans son bureau, vite fait. Peut-être omis de faire quelque chose. Ça, j'aime beaucoup, hein, le petit passage là. Ça me plaît. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce putain de bureau? Il y a un truc essentiel que j'ai pas vu. Eh oui, là, bon, déjà, il y a une clé papillon que j'avais pas vue. On peut pas appeler à l'aide? Bon, moi, j'avais lu partout que c'était buggé et tout, mais bon, peut-être que moi, je l'ai acheté au bon moment, hein, les patchs. Les patchs ont dû être appliqués, hein. J'ai quand même tout de même préféré le prendre sur PlayStation 4, voyant que certains se plaignaient au niveau des bugs. J'ai préféré le prendre sur PlayStation 4 pour avoir une meilleure qualité. Bon, les bugs, ça n'a rien à voir, mais voilà, je l'ai pris sur PS4 pour avoir la meilleure version. This is me. It feels like an eternity has passed since I ran away from home. Voilà, fille adoptive de Richard Felton et d'Adriana Gallo. Ah bah oui, Richard et Adriana, voilà. Disparu depuis le jeudi 14 octobre 1971, vu pour la dernière fois à 16 h dans la cour de récréation 2. On l'a déjà lu ça. Hein. Date de naissance, 8 février 1958, sexe féminin, caucasienne, 13 ans, cheveux blonds clairs, yeux bleus. Aux dernières nouvelles, elle portait une robe blanche avec des nœuds, des chaussures blanches et des nattes. Personne. Voilà, toute information, priez d'appeler le numéro suivant. Et il n'y a pas le numéro. Jesus. Voilà. Alors ça casse un peu le truc, c'est que c'est un trigger. Il y a un cadre qui est tombé. Du coup, je me suis baladé pendant 15 ans et puis ça casse un peu l'effet. Je suis certain qu'on pourra passer. Hein. Ah, c'est là. Lancement de Roseau Gallo et partenariat avec les associés Phenoxyl 1956. Bon, je reconnais le docteur Wiman parce qu'il est grand et barbu. Mais là, les Felton et puis les Ashman. Mom. Dad. Ah, c'est eux. Is this what you were looking for? Mr. Ashman, please. Lower that gun. I don't want to hurt you. It's not my intention. Why won't you let me go then? I have no choice, Celeste. I am not Celeste. Quit the act. You're the only one who can stop it. Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. You're exactly the same as your slutty mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Ariana. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Did she not learn her lesson when I fucked her? Bon. Alors, je sais pas si c'est moi qui The fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage. Hands in the air! Il est où l'extincteur? C'est l'extincteur contre Ashman. Surprise! Ah voilà, c'est bon, là je l'ai sélectionné. I want
her dead. I want to see her dead. Oh, no, I almost had. I'll show you. So that's where you're hiding. It works. Là, ça a bugué un peu quand même. I might be older than you, but believe me. Stop, you little coward! Hurt me. Bon. J'ai bien fait de sauvegarder. Je comprends pas là, ça a bugué un peu. Pourtant, j'ai eu mis un coup de. J'ai eu mis un coup de. D'extincteur. J'ai eu mis un petit coup d'extincteur, je comprends pas. The most fascinating creature on the planet. It can communicate with others of its kind, even from great distances. Imagine if we could create a bridge between the human mnemonic apparatus and the communicative system of those beings, with rapid impulses and synapses, a transmission of images without the use of senses. That would be telepathy, miss. But most insects need a leader to guide them. Take bees, for example. They have a queen to guide them. Very good. That's what the hypnosis was for. During the hypnosis, the metronome is only a tool. The ticking is interpreted as a gentle flapping of the wings. But the real queen bee, or should I say Mother Acherontia, was... Whoever was hypnotizing others. Bingo. And he would have had complete control over them. The Phenoxyl was able to fill in substantial memory gaps, formed by the removal of a particular event, such as traumas from one's memory. But why Celeste, then? That damned mother of hers, who was making regular use of Phenoxyl during her pregnancy, managed to pass on to her an extraordinary gift, a special power. Do you not understand, Reed? Celeste was born a queen bee. Ok, donc il fallait qu'on se fasse tuer, hein. Ça faisait partie du... comme au début du jeu. Oui, à un moment donné, il avait quand même le bras dans la porte. Oui, ça buguait un peu, quoi. Salut Andrea. Je vois que elle m'aime toujours autant. En fait, je sais pas si c'est moi qui les vois comme ça ou ils sont véritablement comme ça. Did your mother tell you that you were born because I fucked her? Tick tock, tick tock, tick tock. It was never enough for that fucking whore. The hypnosis, the drugs, her daddy's money, and the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough, she stained my family's name. And what about you? Was it fucking your sister enough for you? Don't you dare talk about Gloria that way! You're a fucking monster! Admit it! They kept her isolated, far away from anyone, just so that she couldn't spill all of your dirty family secrets! You don't know shit! And when it all started to resurface, you decided it was time to shut them up! Maybe by lighting it all up! Shut up! It's the most idiotic story I've ever heard. Did your dearest father tell you that in reality he was a woman? That he married the woman that I loved just to keep up the act? That at just 10 years of age, his father stuffed him with meds? You weren't adopted! You best convince yourself that Felton is your biological mother!
Give up. There's nothing you can do. C'est vraiment mon père. Enfin, c'est ma mère, c'est vraiment mon père. Oh la vache. Quickly. You know you can do it. You can do it. Concentrate. Release what you are holding inside of you. You are a Mother Acherontia. The moths are listening to you. What you have is not an illness. It's a gift. A gift. Use it. You can do it. Alors, qu'est-ce que pouvoir des papillons utiliser? Alors, c'est pour ça qu'on ramasse des papillons. Utiliser, ok, pour activer votre pouvoir de papillon. Votre papillon vous permet de distraire les ennemis et de vous sortir des situations délicates. Ah, un élément de gameplay que je connaissais pas. Ou alors c'est juste comme ça. Qu'est-ce que ça fait? On a regardé le mur et... J'ai rien compris. Et alors? Il faut que je me détache moi-même avec mon pouvoir de papillon. Là, je vais recommencer. Oula, oula. Ouais, ça bug. Ouais. Il faut que j'aille chercher quelque chose là-bas sur la table. Attendez, ça c'est un appareil électrique. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, mais je comprends rien. Il nous explique pas ce que c'est le pouvoir de papillon. Excusez-moi, mais... Qu'est-ce que ça fait si je mets large? Ah oui, c'est... Mais moi, je préfère que ça soit restreint, parce que bah, ça vaut plus les jetons. Alors là, j'ai rien compris. On a un pouvoir de papillon, ok. Ok, là je l'ai remis. Ça sert à quoi? Je comprends pas. Il n'y a rien qui est expliqué. J'imagine qu'il faut que je me magne. C'est un peu agaçant, je vais pas vous mentir. Je suis accroché, donc vraisemblablement. Mais en fait, je sais même pas ce que ça peut faire. C'est juste une caméra, quoi.
Il est en surbrillance le crochet, donc j'imagine qu'il y a quelque chose à faire. Je vais réessayer. C'est pas clair, quoi. Bon, c'est agaçant quand même. Il y a un truc à faire, mais. Puis bon, moi je suis pas un spécialiste des crocs de boucher, donc là ils sont mis là-dessus. Peut-être que il y a une manivelle, il y a quelque chose, je sais pas. J'ai pas envie d'être coincé ici. Non, puis on le voit bien là, regardez, c'est en surbrillance. Puis à chaque fois, vous voyez la jauge, elle augmente. Il faut que j'attende. Bon, c'est un peu chiant, hein. Ça, je suis pas certain que ce soit la meilleure idée que j'ai trouvée. Là, il y a un truc derrière moi, je vais aller voir. Et en plus, bon, c'est très mal expliqué parce que ça ne dit même pas à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quel bouton ou quoi? J'ai juste une caméra qui se. Bon, je vais aller un peu plus loin, je vais voir ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Ah, voilà. Ah, ok. Ça aurait pu marquer avec le bouton X. Salut mec, hi. Voilà. Bonsoir à toi, M400. Open this fucking door, you. They're all crazy! Crazy! You shall respect. I have to make sure I don't get caught. Hands in the air! Ah putain, merde. Stop. Coucou. So that's where you're hiding. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis en plein. J'essaye de m'échapper. J'espère qu'il m'a pas vu. Bon, en même temps. Et j'ai encore mon pouvoir. Alors, je sais pas si mon pouvoir peut servir. Oui. Tiens, si tu peux me dire si le son est bon par rapport au jeu, ça me ferait très plaisir. M4813 M76. Ça, c'est du pseudo. Si le son est pas trop fort. N'hésite pas à me dire si le son. Je connais le jeu, je crois que c'est Remothered Broken Porcelain. Et oui pour le son. Merci à toi. Oui, c'est la suite. Tu as raison. C'est Remothered Broken Porcelain. J'ai commencé. C'est la partie 2. Je l'ai commencé hier. Et j'avais beaucoup apprécié le premier sur Switch. J'avais fait sur Switch. Et là, du coup, je m'essaye à la version PlayStation 4. Sur la PlayStation 4 Pro. Et j'ai attendu un peu que les bugs soient corrigés, enfin qu'il y ait un patch. Et pour le moment, bah, j'ai pas de soucis. Et l'atmosphère est bonne, hein. Faut même les jetons pour pas te cacher. Not you too, Elisa. Not you too.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit échapper, s'échapper du restaurant. When will it end? Et j'ai des objets ou pas? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un truc. Bon, elle m'a vu, hein, je crois. Le chien. Hey, you, come in. I knew it. Oh putain, là s'il y a le chien, il y a tout là, ça va être la merde. Ils m'ont pas vu là. Ils m'ont pas vu. Évidemment, ils m'ont pas vu. Comment je peux faire avec le chien, bordel de... Échappez-vous du restaurant, ok? Trouvez le moyen de surprendre le chien de garde. Ah, tu as terminé le premier. Bon, très bien. Moi aussi. Moi aussi. Et comme je te disais, j'ai beaucoup apprécié. J'avais beaucoup apprécié l'histoire, même s'il y avait quelques défauts, mais très très bon jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Des compétences, améliorer l'endurance et la vitesse, ça m'intéresse. Mais comment on fait? Améliore la capacité de bloquer les portes pour éloigner les harceleurs. Non, moi je veux ça. Oh putain! J'ai appuyé un peu trop longtemps, ça me l'a foutu à 5. La durée du sprint a amélioré d'un 15% supplémentaire, l'endurance a augmenté de 15%. J'ai tout déplacé là-dedans. Bruit de mouvement réduit. Mini-jeu d'autodéfense. Ah d'accord, tu n'as jamais fait le 2. Ah, c'est l'occasion de le découvrir ensemble alors. Maîtrise d'outils. Survivant. Chance. Améliore la compétence lors de l'utilisation de l'œil de papillon. Je vais le faire une deuxième fois. Je vais faire la santé aussi. Mais combien j'ai de papillons? Ah, il m'en reste 15. Voilà, c'est bon, là je peux plus. Maîtrise d'outils, améliore la maîtrise des objets de détournement. Débloquer les capacités spéciales lorsque la santé est critique. Bruit de mouvement réduit. Bon, en tout cas, on va pouvoir courir super vite là. Ce qui me fait très peur, c'est que j'ai sauvegardé il y a longtemps. Et j'ai pas envie de tout refaire. Et le chien là, je sais pas comment on va faire. Hein. Ah oui, c'est un cauchemar, oui. Et qu'est-ce que faisait le truc de compétence dans les toilettes, quoi? Déjà! Mais qu'est-ce que je fais? Putain. Non, putain, je suis mort. Oh la vache. Bon, il y a quelques bugs. Hein. T'as vu, je me suis pris un coup de feu dans le dos. Et là, d'un coup, je me relève. Est-ce que Mother Hubbard Broken Porcelain, il n'est pas sur Nintendo Switch? Si, il est aussi sur Nintendo Switch. On peut aussi le prendre sur Nintendo Switch. Il y a même aussi une version où il y a les deux sur Switch. Le premier et le deuxième. Mais moi j'ai préféré là le faire sur PlayStation 4 pour bah, pouvoir le streamer et puis pour avoir des meilleurs graphismes. Bon, cette fois on va pas se faire avoir. Allez, putain. Bah le kleps.
s'est passé là? Elle m'a mis un coup de pioche. Bah ok. Bon, il y a un truc spécifique à faire, mais c'est un peu comme dans le premier, hein. Il y a un peu du die and retry, hein. Mais il est plus facile que le premier. Le premier, tu te souviens, là, quand le mec à poil nous poursuivait, c'était l'enfer. Combien coûte la version où il y a les deux Remothered? Je crois qu'elle est pas très très chère, peut-être 30... Enfin, il y a les deux jeux, je sais plus. Tu peux regarder sur Amazon, c'est un pack, il y a Tom Horton Phaser et Broken Porcelain. Je sais que là sur PlayStation 4, je l'ai payé 29€. Je sais que bon bah sur Switch, le jeu est un tout petit peu plus cher. Mais ça doit pas être excessif. Est-ce que ça m'a pris en compte, mon upgrade? Oui, j'en ai 110. Mais je vais en mettre un dans chaque. Jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Voilà. Ah mais non mais lui, non mais là c'est... Bon, voilà, ça c'est le genre de truc qui est énervant, là je peux rien faire en plus. En plus ils sont trois là, mon dieu. Il faut que je coupe la corde du... Là, je suis mort. Là, je vois pas. Hein. Je vais faire encore. En général, pendant 2 heures. Là, ça fait 48 minutes. Je vais être. Je vais bien encore streamer pendant 1h30 là. Pour te répondre. M4813 M76. J'aime beaucoup ton pseudo. Il est très facile. Il est très facile à retenir. Je vais t'appeler Monsieur 48. Non, j'ai pas le temps de lire là. Ah putain. Putain. Lâchez Pult. Ah, mais c'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi de me follow. Tu vas voir, je stream des jeux très différents. Et on essaie de que ce soit le plus drôle et le plus sympathique possible. Par contre là je vais sauvegarder un autre emplacement parce que j'ai peur d'être dans une spirale de la mort, c'est-à-dire qu'ils vont arriver ici. C'est quoi ça? Alors peut-être... Ah oui voilà. Ah, il a tiré sur sa fille. Ouais voilà. Loser certifié. Bon, j'ai eu le le nom du trophée était loser certifié parce que j'ai dû mourir 3 fois de suite. Bon, j'espère que... C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde autre part. C'est que j'ai pas envie de repopper là où tu te fais tuer en boucle, quoi. Je sens que le jeu est capable de ce genre de soucis. Voilà. You and Lindsay can't run away.
Alors peut-être qu'avec le... Peut-être que le chien... Je pourrais lui faire mon pouvoir. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah non, mais c'est ça qu'il fallait faire, mais maintenant c'est trop tard. Il faut que je me serve de mon pouvoir. Putain. Mein Gott. Il faut que je cours et que je me serve de mon pouvoir pour aller posséder le chien. C'est sûr que c'est ça. Mais bon. On retrouve les défauts un peu du premier où on meurt à la suite là. Autant les deux premières heures ça s'était très bien passé, autant là d'en avoir trois sur le dos. En plus il me tire dessus avec son flingue. Allez. Oh ouais, d'accord. Non mais là je peux même pas passer quoi. Ça bug. Ah oh, la vache. Là je commence à comprendre les gens qui... Ouais, c'est chiant là. Sur Sens Critique, il est... J'aimerais bien savoir si le jeu est sur PS5, MDR. Ah, mais oui, il est sur PS5 parce que tous les jeux PS4 fonctionnent sur PS5. Donc, si tu l'achètes sur PlayStation 4, comme j'ai fait, bah, il fonctionne sur PlayStation 5. Mais... il a, je crois qu'il est... Bah, il est pas super bien noté sur Sens Critique. Hein, il a 2,5 sur 10. Je crois qu'il y a pas mal de bugs et là, je suis en train de me rendre compte. Autant au début, il n'y avait pas de bug, et là je vois bien que... Bah là je vois bien que ça foire quoi. Là voilà, voilà, voilà. Voilà. Là voilà, je suis bloqué là. Je vais contourner, je vais faire le grand tour. Mais c'est vrai que ce genre de souci, bon bah ça casse l'immersion. Autant la partie 1, c'était vraiment tout le début du jeu très très bien. Et là du coup, de mourir en boucle, en plus avec les temps de chargement. Mais bon, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Il faut juste courir. Je vais faire le grand tour. Shit. Allez hop. Et je vais aller posséder le chien là tout de suite. Allez. Mais pourquoi il fait pas son... Elle fait pas son pouvoir là. Ouais, oh là là. Sur PS5, oui. Alors, je sais pas s'il y a un patch qui upgrade le jeu, mais je pense que les temps de chargement doivent être un tout petit peu plus courts sur PS5, c'est possible. Mais je pense pas qu'il y ait une différence de qualité. Mais sur de PS4 à Switch, ouais, je pense que sur Switch, il est moins joli, quoi. Il y a moins de texture, il y a moins de... Il est plus léger, quoi, pour pouvoir fonctionner sur la Switch. Bon, je pense qu'il faut que je... En fait, avec le chien, là, de ce que j'ai compris, il faut que je sois à couvert, qu'il m'ait pas détecté, tranquille, et que je puisse utiliser mon pouvoir. Je pense que c'est ça. Alors, on va essayer de pas faire de bruit. Même si c'est impossible parce qu'ils sont trois. L'autre elle est déjà là avec sa hache quoi. Et l'autre avec son flingue. Ouais, ça va être complexe. On va essayer d'y aller. Oh putain, voilà, et l'autre elle se pointe. How could they do this? How? I thought I made myself clear.
On va y aller tout doux. Hein. Damn, let me know where I am. Hey, you, I said enough. Merde, non. Oh putain. Et merde. Non, là je suis bloqué. Putain de merde. Moi j'ai été à Resident Evil Village sur PS5. Attends, moi aussi complètement. Je suis très fan de Resident Evil. Je compte d'ailleurs le refaire. Je compte le restreamer le 7. Je l'avais fait entièrement en VR. Et là, je m'étais complètement chié dessus, quoi. Faut dire la vérité. Avec le casque VR, c'était mortel. C'est une de mes plus bonnes expériences VR et même vidéoludique. C'était top. Et j'espère d'ailleurs que le 8, j'espère que Resident Evil 8 aura. Enfin, ils vont nous dire qu'il y aura aussi l'option VR. Parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu de la démo, ça ressemble énormément au 7. Et ça serait trop trop bien qu'il soit aussi en VR. Shit. Oh putain. Moi je veux bien mais là ça devient chiant. Faut que j'arrive à me planquer. Eh, elle veut pas faire le pou elle veut pas faire son pouvoir. Hein. Ils m'ont pas vu là? Oh putain, si. Merde. Putain, et moi j'appuie comme un con sur le mauvais bouton. Allez, cours, cours, cours. Ah putain. Ah mon dieu, mais non, mais ils sont trois. Déjà que quand il y en a un, c'est chiant. Enfin, c'est dur. Là, s'ils sont trois, au secours. Non, puis je suis pas plus con que les autres, quoi. Je vais y arriver. Mais j'essaie de comprendre. Mais à un moment donné, j'ai réussi à faire mon pouvoir. Ouais, je joue sur PS4 Pro, ouais. À un moment donné, j'ai réussi à faire mon pouvoir. Mais j'arrive pas à le refaire. Et là, c'est complètement aléatoire. On sait pas s'ils sont un ou deux derrière la porte. C'est la petite surprise. Attends, je vais mettre la radio portative ici si je peux. Calm down, Elisa. It's all in your head. Voilà. Ouais, mais l'autre il se pointe tout de suite. Eh, franchement, c'est dur, hein. Allez, je vais me planquer là. Quoi, il m'a vu? Oh non, mais c'est dégueulasse. Non, mais... Il veut pas faire mon pouvoir, là. Je vais me démerder. Ouais, voilà, quand je fais mon pouvoir, ouais, ça bug. Donc faut que je me mette dans un endroit. Faut que j'arrive à me mettre dans un endroit et que j'aille voir le Kleps. Time with you.
Allez, je me cache dans le truc. Allez, ils m'ont pas vu. Putain. Ah non, mais c'est super chiant. Voilà. Merde. Bon, j'ai compris le truc. Il faudra que je cours. Que je me cache dans ce putain de truc et qu'après je fasse le pouvoir. Mais alors mon dieu, hein, c'est fastidieux hein, pour pas grand chose. Allez, venez bien là. Putain. Quoi, ils vont se pointer ici? Non mais là ils savent pas que je suis rentré là. It's him who tells us what to do. Merde, je peux pas utiliser mon pouvoir. Je peux pas passer les... Avec mon pouvoir, je peux les voir. Dès qu'il va être cette barrée, je vais passer par le trou de la porte avec mon pouvoir spécial et je vais aller emmerder le chien. L'autre, elle s'est assise. Elle, carrément, elle s'est fait... pas de problème. Bon, allez, Coco, casse-toi. Pourquoi il reste là? Ah, je peux pas passer à travers les murs. Bon, ce qui est bien, c'est que... Allez. J'espère qu'il se casse. Ah, il se casse pas en plus, hein. Si, il se casse, ça y est. Allez, on y va. Voilà. Et alors du coup, c'est bon? Filthy dog. Voilà. What do you want now? Be quiet. Shut your mouth. Putain. Oh, ça va, c'est bon. C'est vrai qu'il aboyait fort quand même. Et là maintenant, échappez-vous du restaurant. Mais ils sont encore là, hein. Qu'est-ce que je suis foutu? Ah, c'est bon. Putain, mais la porte était ouverte tout à l'heure, hein. Oula. Ah!
Ouais, carrément, elle y va au fer à souder. Elle avait le fer à souder dans sa culotte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'il fout là? There's no time now. I want to get away from this place. Okay, I can help you escape, but you have to help me with something first. Jennifer, you have to trust me. I know what you are capable of, like what you did in the cold room. That voice, was that you earlier on? I can feel what you are holding inside, and I know that you can hear me. Un monte-plat dans la buanderie sur le balcon. There's a dumb way. Your gift, allowing you to escape. Stay here. I'll go ahead. Concentrate. Look inside yourself. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Allez, hop, le jackbox. Oh putain, la... Bah, c'est bon, on l'a fait, là. Comment on se barre du pouvoir? Je peux pas me barrer du pouvoir. Here we are. There should be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Oh putain, ça bug. Et je reste bloqué dans le pouvoir. non mais franchement, si ça bug trop là. Ok, elle est là, salut. Ah ouais. Mon dieu. Là, je commence à comprendre les gens qui pestaient un petit peu. Oh là là là. C'est ridicule, là. Moi, je suis là, à droite. Là, il y a l'autre, la nana que je suis. Là, il y a la nana en rouge. Et le jukebox. Bon, je vais essayer de retourner dans mon corps astral. Non, je peux pas. Non, mais sans déconner, je suis bloqué là. Et le personnage disparaît. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Suivez Lisa, aidez Lisa à trouver la clé du placard. Alors faut peut-être que je l'aide avec mon pouvoir. Je suis peut-être mauvaise langue. Ah oui, voilà, en fait c'est moi qui suis de mauvaise langue. Voilà. Non, j'ai eu peur que ça bug, mais... No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Qu'est-ce que je dois faire? Bah passe là. Passe ici. Et elle s'est téléportée là avec un lance-flamme. Tout à l'heure, elle avait une perceuse, elle avait une scie à métaux. Maintenant, elle a un lance-flamme. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait quoi faire. Bon, après... En fait, ils expliquent pas du tout, donc... On va y arriver, on va y arriver. Mais c'est vrai que du coup, ça sort un peu du jeu, là. Là, j'ai plus envie de me marrer que d'avoir peur. Autant je flippais tout à l'heure... Stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done.
Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Ouais, je vois le jukebox, j'ai compris. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a carrément été sur le jukebox avant que je fasse quoi que ce soit. Here we are. There should be a key somewhere. Ouais. Elle est là. Elles sont là les clés. Can you manage to see a small key up there? Ouais, elles sont là. No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Je sais pas. Démerde-toi. Non mais je sais pas. Là ici. Et j'appuie hein. Ah ouais, c'est téléporté comme ça en 2-2. Thank you, Jen. Thank you. Ah ouais, c'est... Hold on just a little longer. Ouais, c'est... Il y a quelques petits soucis. Faites sursauter la religieuse. Suivez Lisa, faites sursauter la religieuse rouge. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Non mais là... Ah mon dieu. On va y arriver. On est des professionnels. Mais bon, c'est... Là, je suis un peu sorti du jeu, je vais pas vous mentir. Là, c'est plus un puzzle. Il en va de mon honneur, là, maintenant. Là, on n'est plus dans le Survival Horror, là. On est dans le jeu d'énigmes. Et là, le coup qu'elle se téléporte... Et faites sursauter. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je fasse boue. Ah ouais. Don't leave me. I'll give you the go ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Puis ce qui est chiant c'est qu'on va encore mourir. Allez hop. Ah ouais, elle entend le bruit, alors du coup elle se précipite quoi. Et puis là elle disparaît complet. Ça c'est pas possible, normalement ils auraient dû mettre qu'on puisse pas avancer plus là. Mais là on peut et puis du coup elle disparaît quoi. Enfin bon. C'est fou ça d'avoir laissé des trucs comme ça. Here we are. There should be a key somewhere. Ouais. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? Là il y a les clés. Et là... No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Mais là, je viens d'appuyer, hein. Ouais, elle se téléporte en plus, c'est... J'ai l'impression que j'aurais fallu que je la suive. Ils ont pas synchronisé ce que le joueur allait faire. Pour eux, je pense que ça devait être bon, mais... Thank you. Just a little longer. Je vais sortir avec elle. Je peux pas. Ah, y a une clochette. Mais putain. Accroche-toi, Romain. Accroche-toi. Accroche-toi à ton slip. Serre bien l'élastique. Serre bien l'élastique, accroche-toi à ton slip. Non mais puis pourquoi pas faire des checkpoints? Comme ça, c'est plus agréable. Là, si t'appelles à chaque fois le chargement et tout, ça devenir fou. Ils n'ont pas fait de test. Je sais pas, tu fais jouer 2-3 mecs, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas.
Ok. En plus, elle avance à 2 à l'heure. Allez, cocotte, on va y arriver. Je vais t'aider, je vais la faire sursauter, la religieuse. Mais je sais pas comment la faire sursauter. Bon, déjà, je vois pas ce qui peut la faire sursauter, vu qu'elle se tape, elle se balade avec un lance-flamme. À mon avis, il y a peu de choses qui la font sursauter. Hein. Alors, on va faire comme si on était dans le jeu, là. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Oui. Genre là, elle y va. Fuck. No, she heard me. Oh god, I have to hide. Jen, what do I do? Je fais ça, elle va se téléporter. Voilà, non, c'est bon. Et qu'est-ce qui peut faire sursauter la religieuse? Je dois peut-être la rester sur elle ou je sais pas. Thank you, Jen. Thank you. Hold on just a little longer. J'ai remis le jukebox. Et l'autre, elle m'attend là? Non mais c'est ridicule. Suivez Lisa. Oui mais je peux pas passer. Et elle va revenir. Vite. Vite, je remets le jukebox. Mais comment je sors? Il n'y a pas une fenêtre ouverte? Ça m'a de la sueur, hein, c'est ça? Ouais. Ah, putain. J'ai l'impression d'être dans un mode debug où j'ai la caméra libre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Ok, donc il faut que maintenant... En fait, il fallait que j'aille sur la religieuse rouge. Voilà, il n'y a plus un bruit. Ah, si elle me tue, je deviens fou, hein. On va faire pareil, hein. Oh là là. Oh, je dois pouvoir courir là. C'était fastidieux. Tell me what the hell is going on. Who the fuck was that? You've heard of the fire at the convent, haven't you? Well, not all of them died. Gloria Ashman. Oui, ça on le savait. You have to help us. I beg you. We are trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. I
I don't understand. What can I possibly do? That thing lives down there. It has no effect on you. You can end the loop. Ouais, on est hypnotisé. Allez, on va vous laisser, madame, hein. On va vous laisser. On voit que ça va pas là. On lui dira. On lui dira. Oui. On lui dira. À bientôt. Ah. J'ai eu un succès qui me dit que je suis un excellent joueur. Bon, bah dis donc, c'était fastidieux, hein. Fallait s'accrocher, hein. Je tire un petit coup sur ma cigarette et je... Un petit flashback dans le flashback. Ah bah elle fume aussi, bah c'est à la tienne, cocotte. Suivez la voix. Bon là, il a pas besoin de marcher. Pas besoin d'être parano, c'est la nana. Elle est... Ah non, là on peut même pas le faire. Non. Je voulais me mettre à genoux, mais là ça faisait vraiment la nana parano depuis son enfance et elle est toujours à genoux quand elle se balade. Ah, c'est quand j'ai rencontré Lisa. Je regarde un petit peu parce que tout le temps on est stressé, on va vite et tout, puis on n'a pas le temps de regarder les décors. Comment ils ont agencé la chose? C'est pas la première fois que je rencontre cette petite sphère là que les vieux posaient sur leur télé avec de la neige. Très esthétique. Le cadeau parfait. I'm Jennifer, by the way. Lindsay? But call me Lynn. I'm sorry for earlier on. Don't worry about it. I was too intrusive. And I extremely rude. Oh, well, truce? Truce. What were you doing here? I was just singing. I usually play the violin, but they locked it away as soon as I got here. If you can play the violin even as half as well as you can sing, then you're a fucking master. Nothing special. You got a great voice. And that song. Did you write it? I'm still working on it. Oui, bah continue de travailler dessus, hein. I got an idea. There's a festival for artists with original songs. The winner gets a full scholarship at the conservatory. Here, look. The performance will take place in a theater. I say you should go for it. No, no. There's no way I would ever be capable of something like that. Why did you say that? First off, we're stuck here. Second, singing and playing the violin at the same time is too complicated. I could never do it on my own. I could do it with you. I play the piano. Listen, we can do this. Alors, il faut viser le carré, hein. Vous savez, vous rappelez de vos leçons de sport, il faut viser le carré. We could talk to Ashwin about it. Yeah,
Regardez ça. 3 points. J'ai loupé le trophée là. Bon, la prochaine fois, je l'envoie un petit peu plus haut. Sinon, je vais me taper la honte vis-à-vis d'elle. J'ai envie de faire bonne impression pour mon premier jour. Voilà. J'ai envie de faire bonne impression pour mon premier jour. Oh putain, oh, 3 points là. Elle va me prendre pour une gourdasse. Elle va plus vouloir être mon amie. Bon, apparemment la physique n'est pas prise en compte dans ce jeu, donc il faut le mettre directement dedans, quoi. Oh mais oh, ta mère à poil. Loser encore. J'ai eu deux fois le trophée loser. Et c'était possible ça de l'avoir deux fois? Bon, c'est pas grave. On se refume une clope. Sure, why not? Fuck it. When the smoke is about to enter your throat, you exhale. Elle lui apprend à fumer carrément. Tu peux lui apprendre à se piquer aussi. You bet. Before Saying Goodbye, it was a great hit in the 60s. Have you never heard of it? No. My parents brought me to the cinema to see it. As soon as we got home, my father taught me how to play the theme song on the piano. Would you like it if we were to watch it together one day? Dis donc, on se connaît à peine. Allez, ça y est, on est potes. On va s'échanger notre sang. On est super potes. C'est ma copse, maintenant. Courez, si vous êtes ennemis proches. Oui, bon, ça, je maîtrise ça déjà. La courade. Alors, R1. Oula, oula, et oh, toi avec la capuche, là. Oui, j'appuie. What am I doing? Don't give up now, Jen. Ah, je peux aller plus vite encore. Eh ok, elle est pas rapide, hein. Elle s'en fout de crever. Elle est un peu de nerf là. C'est pas toute clopée. Qu'on a réussi. Oula. C'est le chien. Alors, on a un souci. On a un mec qui a une capuche, déjà. Et on a un souci aussi avec... Merci pour le couteau. Est-ce que je peux crafter quelque chose? Non. Tout à l'heure, j'ai crafté quelque chose. Ça m'a servi à rien. Et ils me l'ont sucré à la cinématique. Ah, on est retourné. Un petit clé papillon.
Là, on va pouvoir passer, je pense. It kind of looks like the reception of an old hospital or something similar. Ah, c'est le début du jeu là quand il m'a attrapé en fait. Allez, là on peut crafter là. Ah mais moi je voulais crafter autre chose. Oui, mais maintenant on a notre pouvoir. Au début du jeu, on n'avait pas le pouvoir. Mettez le courant dans le laboratoire. J'ai pas de couteau, hein, si. Allez hop, on craft. On craft tout. On craft tout. Même si ça sert à rien, on craft, on craft. Pas être... Non, 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 on garde notre couteau crafté. Ok. Faut qu'on remette le courant. Ok, un peu d'ammoniac pour se laver le slip. Le slibar, comme disent les gens les plus vulgaires. Ah bon, on peut sauvegarder, très bien. Et bah, je suis content parce que. J'avais pas envie de tout refaire. Et puis, on va se remettre de la vie. Voilà. Ok. Ok, ok. Remettre le courant. Est-ce que j'ai mon pouvoir? Oui. On peut aller là-dedans? Ah oui. Ah, mais on peut pas aller plus loin. Oula, 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 oula. C'était pas une bonne idée. Non, à mon avis, faut qu'on ressorte. Qu'est-ce qu'il y a par terre, là? Non, mais on a déjà une arme, on a déjà une arme. Non, on va plutôt... On va essayer de passer par là. Est-ce que c'est possible? Non, on peut pas. C'est pas possible. Ouais, ok. Ça ne veut pas. Et pourquoi elle veut remettre le courant? Ah ben il est là le courant. Pourquoi elle veut remettre le courant déjà? Trouver et récupérer les trois documents phénoxyle, ok. Mettez le courant dans le laboratoire. Mais pourquoi on veut remettre le courant? Déjà. Ah, pour ouvrir la porte? C'est une porte électrique? Oh là, regardez-moi ça de l'autre côté. C'est quoi cette chambre de conditionnement complètement dingo? Avec des miroirs partout. Là, il y a des petites choses d'inscrites. Je regarde autour de moi. Hein. C'est quoi ça? Ah, on peut sauvegrader encore. J'en ai combien? J'en ai 130. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de courir. Hein. Je vais pas vous mentir. Niveau supérieur. Ah oui, on est mort à chaque fois, donc on sait pas upgrader. Je veux plus de santé. Et je veux courir. Réduit le... Alors, ombre. Bruit de mouvement réduit de 10%. Réduit légèrement la difficulté des cachettes mini-jeux. Non, ça, on s'en fout. Hein. Augmente la maîtrise des objets de défense. Débloquer des capacités spéciales lorsque la santé est critique. Bruit des mouvements réduits de 2%. Chance. Ajouter une chance d'obtenir des bonus spéciaux lors de collecte d'objets. À 41 mètres. Améliore la compétence lors de l'utilisation de l'œil de papillon. Augmente la portée et la durée de l'effet de surbrillance après... Ah bah oui. On va faire ça. Là on a 3. J'ai combien? Allez hop. Bon, on va se rajouter la vie. Allez, on a assez là. Non, il veut pas. Enfoiré, il en faut 15.
Bruit des mouvements réduits de 2%. Allez hop, c'est bon. On va dire qu'on est bien là. Et on sauvegarde parce que j'ai pas envie de le faire à chaque fois. Voilà. Je sais plus où je sauvegardais du coup. Là, ici. Ouais, parce que j'ai pas envie de le faire à chaque fois. Voilà. On a bien fait de récupérer tous les petits papillons. Bon, alors comment on remet le courant là? Oh, ça se trouve, c'est tout bête. C'est juste de. Il est à ma hauteur, mais c'est juste de faire ça. Là, il y a le truc d'électricité là. C'est sûr que c'est ça en plus. Oula, je suis où là? Voilà. Non. Peut-être suivre le câble. J'essaye de regarder. Normalement, il va être en... Ah, je pense qu'il faut qu'on passe par là. Ouais. C'est ça. Enfin, c'est ça. J'en sais strictement que dalle. Mais j'ai comme un sentiment de réussite en passant par là. Oh là, oh là. Déjà, on perd un temps fou parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Allez, 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 allez. Merde, c'est pas ça. Alors, on va se mettre bien en face. Allez, tu peux le faire, Céleste. Voilà. Merde, on est au-dessus. Oh putain. Allez, on recommence. On va se foutre là, hein, pour être sûr de notre coup. Ah mais ah ouais. Même si on arrête le pouvoir, de toute façon. Allez, on rentre dedans. Allez, c'est bon, on est dedans. Il veut pas. Mais pourquoi avoir pouvoir? Pourquoi avoir modélisé ça si on peut pas? Là, je comprends pas là. C'est pour nous donner envie d'être mauvais. C'est pour nous rendre mauvais. C'est ça? Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour nous rendre mauvais, quoi. De vieilles radios? Mais c'est pas des vieilles radios, c'est des journaux. Ah, pardon, oui, les radios, mais oui. Oui, les radios sur le mur. Mais pourquoi le X est là? Parce que là, vous voyez bien, on dirait que c'est la bouteille, quoi. Je me dis, des vieilles radios. Bon, allez, allez, on arrête là. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Faut jouer là. Ah, c'est tout. Qu'est-ce que je suis con. Bon, je sauvegarde après cette grande progression. Oh mon Dieu, je sais pas pourquoi, mais comme il n'y a pas de bouton X, je sais pas, je. Non, mais je suis con, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Ah, regardez. Petite bouteille de lait. Et vous savez quoi? Comme on va mourir, et je refais une sauvegarde parce que je sais que je vais l'oublier. Puis c'est rapide, ah, voilà. Bon, j'ai encore perdu 50 viewers juste parce que j'ai sauvegardé, mais. Ça fait partie du jeu. Ah bah je peux toujours pas ouvrir. Et là qu'est-ce qu'il me demande? Trouver et récupérer les trois documents Phénoxyl. Mais et pourquoi elle sait qu'il faut qu'elle récupère des documents Phénoxyl? Elle me dit pas que maintenant ça va marcher de se balader en mode papillon parce qu'on a allumé la lumière. Hein. Sinon je deviens fou. Genre. Oh putain. Non, c'est pareil.
Mais c'est dommage parce que ça aurait été bien ça qu'on puisse se balader et puis actionner un truc. Eh ben non. Là, il me demande de récupérer trois documents. Bon, ben on va récupérer trois documents, hein. C'est quoi? Wyman couldn't possibly have used the business's finances to fund the experiments without someone noticing, which means that Ashman knew everything. Ok. Là, il y a du ciseau. Là, il y a du sang, là. Hein. Il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a eu ses règles, là. Là, il y a de la petite pelle. Allez, pour être sûr. Parce qu'après, j'oublie. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé d'aller par là? Retrouver trois documents. Bon, attendez, je retourne à l'entrée. Je deviens dingue là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut couper l'électricité. Ah non, maintenant qu'on coupe ou qu'on la remette, ça marche. C'est quand même. Bon, écoutez, le jeu étant très très spécial, je tente quand même de retourner dans le truc maintenant qu'il y a l'électricité. Je trouve ça quand même curieux qu'on puisse aller là et qu'on puisse pas en fait. Peut-être que je suis complètement con, hein, c'est peut-être ça, hein, mon erreur. Non, 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 mais y a rien, y a rien. Allez hop, j'arrête de perdre mon temps. Et là, elle peut pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Bon, qu'on ait mis l'électricité, ça change quoi en fait? Il y a une loupiote là. Il y a une loupiote là. Ce qui avait l'électricité, qui est pas l'électricité, qu'est-ce que ça change? On voyait tout aussi bien, hein. C'est fou, hein, que ce jeu soit. Enfin, comme ça. Mon Dieu. Parce que même, enfin, je veux dire, elle arrive quelque part, et pourquoi d'elle-même, elle sait qu'il faut qu'elle trouve trois documents? Tiens, en vrai. No wonder, while everyone thought you were dead, you were down here, playing the role of the happy surgeon. Suicide de Weeman, aucune avancée. L'enquête en cours sur le suicide du professeur A.E. Weeman n'a révélé aucun élément justifiant la poursuite de la procédure. En dépit de certains indices mystérieux évoquant une mise en scène, les autorités ont décidé de mettre un terme aux investigations et de clore le dossier. Oui, en fait, voilà. Mais comment elle peut le savoir? Faut en regarder trois. Là, c'est le même, voilà. Donc là, j'en ai regardé deux. Il faut que j'en trouve un troisième, quoi, voilà. Mais c'est spécial. Bon, il doit être sur un autre pilier, j'imagine. Ou là. Ouais, voilà. This is how it all started. Gloria managed to obtain control of the other nuns, becoming Mother Akruncher. Alors, Gloria, c'est celle qu'on a défenestrée à la fin du 1. Je suis parvenu à reproduire le lien entre les papillons de nuit et les archéroncia mères. La synthétisation du parasite m'a permis de produire un deuxième prototype de phénoxyle. Les sœurs de Cristo Morente me considèrent comme leur chef, comme un prolongement de leur propre pensée. Je les ai convaincus que leur photophobie, induite par l'Acherontia, était en fait un don de Dieu. J'ai toutefois identifié un élément perturbateur, Gloria Ashman, qui a pris l'ascendant sur les autres et qui ne me reconnaît pas en tant que chef. Son influence sur les autres est évidente, et elle est en train de s'imposer en tant que nouvelle Arconcia mère. Si les choses échappent à mon contrôle, je n'aurai pas d'autre choix que d'initier une autre hypnose de groupe malgré le risque de fracture, c'est-à-dire d'entrer en phase de porcelaine. D'où le titre du jeu, A.E. Woman. Of synthesizing the moth parasite known as Acherontia, its use leads to a parasitic infection. By emulating the moth's behavior, phenoxyl can result in a collective hypnosis,
in which multiple individuals are forced to obey a leader or a Mother Acherontia. Collective hypnosis. The leader uses a person known as the medium as a channel and amplifier for other subjects. When the medium is surrounded by mirrors to simulate a fragmentation of the mind, the parasites awaken and spread. The start. The leader uses a recall element for the medium called the anchor. This can be a nursery rhyme or a song, and it's this that initiates the hypnosis. The leader acquires full control over everyone else through the medium. A collective consciousness starts. The ending. The leader can interrupt the loop by awakening the medium with a push, another nursery rhyme or a song. When the infected subjects and the medium wake, everything that happened during the hypnotic phase is forgotten. The collective consciousness breaks. The fracture. If a collective hypnosis is abruptly interrupted, there is a risk of fracture, also called the porcelain phase. Here, the leader's consciousness becomes fragmented and is then absorbed by the medium. The body of the leader becomes wholly controlled by the Acherontia, while the leader's mind remains trapped inside the medium, gradually unable to control his own body. Meanwhile, the parasite continues its expansion in the infected subjects. Collective hypnosis will occur regularly until another potential leader intervenes to break the looping cycle. Oji, what happened? Je vais faire une petite save, hein, pour être sûr de perdre les derniers viewers. Bon, on en a appris un peu plus quand même sur ce, sur le scénario. Ok. Et en fait, le début du jeu. Hein? On dirait que la lumière provient de ce mur. Oui, c'est pas faux. It's a hidden door. Bingo. Ok, on peut l'ouvrir dans les deux sens. Oui. Très bien. Donc là, il y a la sortie. Avec une petite poubelle. Enfin, une petite poubelle, hein. Vous m'avez compris, regardez bien. Ça c'est de la poubelle, quoi. Pour les amateurs de poubelle, vous pouvez faire une petite capture d'écran, hein. Elle est très belle. Elle a une belle tenue. Bon, j'ai pas besoin de prendre ça. Par contre, on va prendre ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a par terre? C'est de la cordelette. Ah non, c'est un câble. Ce qui nous permet de fabriquer un cordon encore mieux. Voilà, comme ça on a un cordon encore mieux. On a une poupée encore mieux, on a un cordon encore mieux, enfin on a tout encore mieux quoi. Alors je sais pas ce qu'ils foutaient avec les oiseaux, mais ça leur plaît drôlement. Mais voilà, c'est con, il me donne l'objectif avant même que je sois rentré dans la pièce. C'était marqué rétablissez le courant dans la salle de projection. Je ne savais même pas que c'était une salle de projection. Le jeu me spoil. Je pourrais pas attendre 2 secondes à que je me rende compte. C'est fou ça, je suis spoilé par le jeu. Je ne savais même pas que c'était une salle de projection. Je n'en avais aucune idée. J'ai aucune idée que c'était ça. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je rétablisse ce courant. Ok, petite bouteille d'ammoniaque, ça fait toujours plaisir. Ok, un petit papillon, petit fil de fer. Ça craft. Ah, c'est quoi qu'il y a par terre? Non mais là, vous voyez bien qu'il y a des choses là. Ce truc là. Mais on peut pas les prendre. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Pas la première fois, hein. On trouve un peu partout depuis le début. Ok.
Moi, j'ai envie d'aller sauvegarder toutes les 10 minutes. Hein. Pour pas avoir tout à refaire. Je sais pas pourquoi là, je le sens pas. Je pense que chez vous c'est pareil. Vous le savez là ce qui va se passer. Ah non, on a fait le tour là. Là on retourne sur la belle poubelle normalement. Bon bah vous pouvez refaire une capture d'écran. On n'est pas revenu pour rien. Et là? Ah oui, petite clé papillon. Il était où le mur secret? Il a disparu? Le petit mur secret là. Je sais plus où il est. On peut plus sauvegarder. Mais si. On retrouve un petit papillon. Non mais de toute façon il peut pas être là. Ah, mais là, attendez, là, il y a le fusible. Enfin, le fusible, oui. Ah, elle était là, la porte qui tourne, voilà. Je refais une sauvegarde. J'ai pas envie, si je meurs, j'ai pas envie d'avoir tout à refaire, de ramasser les trucs, de recrafter, de... Voilà. Ça me gonfle. Sinon, je sens que le rage quit peut vite survenir. Voilà, puis ça coûte rien. Et du coup, il n'y a plus de lumière. Tout à l'heure, il y a de la lumière et maintenant, il n'y a plus de lumière. Ah, bref. Allez. Allez, Romain. Tends bien l'élastique du slip. Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Did Wyman really believe that it was possible to suppress pain or a disease with a fucking psychotropic? Is it supposed to be the myth of the super fucking man? Phénoxyle, l'évolution de la psychiatrie. L'esprit humain est responsable des inhibitions émotionnelles, physiques et sensorielles de l'organisme telles que la peur, la douleur et la maladie. Ces facteurs limitent la survie, le développement et l'évolution du genre. Le phénoxyle, grâce à l'hypnose, s'imposera comme le seul moyen d'éliminer les barrières humaines et de désensibiliser l'organisme. Tout est dans la tête, notre conviction d'être faible et même notre mortalité. Ok? N'oubliez jamais ce que je viens de lire. Alors. Évidemment, on peut rien faire. Non, faut qu'on remette le courant, mais allez, un petit coup de botte là, voilà. Moi, je t'ouvre la porte comme ça, j'ai pas peur. Et vous allez voir que là, maintenant, il va bien vouloir. J'ai absolument envie d'aller dans ces trucs-là. Hein, vous avez remarqué? C'est fou, hein, c'est plus fort que moi. Je me sens bien là-dedans. Ouais, ça sert à rien, mais à rien du tout. Mais alors pourquoi on peut y aller, ça me questionne. Hein. Il est où le fusible que j'ai vu tout à l'heure? Là, vous voyez? Ah, mais ça se trouve, ces trucs-là, on peut les choper avec le pouvoir spirituel. Eh putain, et oui, je... Putain, pardon. On n'est pas là pour être vulgaire. Donc du coup, on va faire l'autre. Je sais pas à quoi ça sert par contre. Jennifer en danger, objet ramassé. Bah, du coup, j'en profite pour regarder un petit peu comme ça. Hein. On peut faire quelque chose avec ça? Oh my god. Et là ici.
Des fois, le bouton X, il apparaît vraiment au dernier moment. Alors, c'est une petite ampoule à l'huile, mais qu'ils ont branché au secteur. Curieux. Vous avez vu? C'est une ampoule à l'huile. Mais elles sont branchées au secteur. Ils ont mis des prises murales un peu partout. Alors pourquoi prendre des lampes à huile? Je vous le demande. Bon, allez hop, je reçois. Maintenant que j'ai fait tout ça, je re-sauvegarde, hein. Ils disent que le jeu il se termine en 20 h, mais moi, vous allez voir que je vais réussir à le finir en 60 heures. Je vais avoir le trophée Supra Loser. Ok. On est bon là. Je sens qu'on touche au but. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Non, non, c'est du ciseau ça, le ciseau. On n'a pas besoin de ciseaux, nous. On l'a déjà lu ça. Voilà. Attends, je regarde bien quand même. J'arrête de faire le con. Il y a pas un. Bon, le plus simple, hein, c'est de passer en mode comme ça. Comme ça, s'il y a un truc en surbrillance, on va vite s'en rendre compte, hein. Ouais, bon, ça dure pas longtemps, hein. Ouais, on arrive, les oiseaux. On arrive. Non, on peut rien faire. Ça se trouve, il y a juste un interrupteur dans la pièce que j'ai pas vu, comme un con. Je suis en train de faire chercher le truc compliqué alors que c'est tout simple. Allez. Ça se trouve, il y a juste un interrupteur contre le mur. En fait, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Rétablissez le courant dans la salle de projection. Ah oui, c'est toute la salle de projection qu'il faut rétablir le courant. Puis ils nous l'ont même pas dit qu'on peut qu'avec le pouvoir spirituel on pouvait. Non, non, je prends pas la boîte à musique. Allez hop, je la prends. Et ça c'est quoi par terre? Ah du coup on a un bébé. Non, notre bébé il était bien mieux. On avait un super bébé. Voilà. Qui faisait plus de bruit, qui... Ah, on avait un beau bébé. Une bouteille. Non, je garde mon ammoniaque. Putain, mais comment on peut remettre le courant? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut éteindre là-bas et mettre le courant ici, c'est ça? C'est un truc comme ça, du genre? Pas vous mentir, je commence à douter un petit peu là. Je commence à avoir des doutes sur beaucoup de choses. Je tente, hein. Qu'est-ce qu'il y a, coupe-papier, tournevis? Pourquoi ça m'a marqué ça? Putain, c'était ça en plus, fallait juste switcher. Et là, il m'a repris le coupe-papier. Putain, mais on avait crafté un truc super bien. Pourquoi ça fait ça? Ah, parce qu'il est juste là. Voilà, on a repris le tournevis. Oh putain. Bon, on refait une save. Et en fait, c'était ça, fallait juste switcher, quoi. Alors, pourquoi on a eu besoin dès le départ de mettre le courant? À la limite, pour qu'on puisse voir la lumière à travers le mur. On à la limite, il ferait mieux rien nous dire, comme ça on découvre tout par nous-mêmes, c'est plus agréable. Bon, quoi qu'il advienne, j'ai sauvegardé. Hein. C'est quoi ça? Oui, c'est la petite boîte à musique de tout à l'heure. Bon, allez. C'est parti.
Professeur Wyman. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qu'il me dit? Encore été trouver la source du bruit mystérieux. Oh non, non, ça va. Non, 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 on n'a pas besoin. L'enquête est terminée. L'enquête est terminée, c'était un bruit mystérieux. C'était une tasse. Bon, on va aller voir, hein. Bon. Moi, je suis tenté d'aller voir la sortie, évidemment. Évidemment. Petite capture, hein, vraiment, si vraiment vous avez loupé les deux premières fois. Bon, bah, on retourne. C'est là, hein. Eh oh, vous voulez qu'on se fasse repérer, les oiseaux? Petite save. Hein? Là, vous êtes nombreux sur le chat à me dire de faire une sauvegarde. D'accord, mais moi j'en ai pas besoin. Hein. Mais bon, puisque vous insistez. Ok. Bon, alors, l'origine du bruit mystérieux. On va. Here you are. Non, non, non. Rihorn, non. C'est pas moi. Vous avez cru que c'était moi, mais c'était pas moi. On peut quand même se sauvegrader. Combien j'en ai? Ah, j'en ai 30. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Maîtrise d'outils. Bruit de mouvement réduit de 4%. Il y en avait un qui était bien, c'était... Améliore les compétences sur l'utilisation de l'œil papillon. Ça, c'est bien quand même. Voilà. Et puis, on va se remettre. Réduit légèrement la difficulté des cachettes mini-jeux. Oh, mais ça, il n'y a pas besoin, c'est déjà très facile. Là, il m'en demande 25. Mini-jeux d'autodéfense lors des attaques d'un stalker sont les gens plus faciles. Oui.
Voilà, allez hop. Yeah. Ok. Bon, vous êtes encore sur le chat à me dire de sauvegarder. Vous n'êtes pas raisonnable. Hein. Bon, faut quand même qu'on joue. Hein. Y a des gens qui regardent les VOD après, hein, sur YouTube, Bosseron 14. Vous n'êtes pas raisonnable. Je l'ai fait, mais je vous gâte trop. Vous êtes trop gâtés. Bon, ça se trouve, on peut aller là maintenant. Non, toujours pas. Bon, bah, je retourne à l'entrée. On n'a plus trop le choix. J'ai envie de dire. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, on prend le couteau. Alors, qui c'est qui fait du bruit? Hop là! Qui c'est qui fait du bruit? C'est toi qui fais du bruit? Eh ben il en avait du sang, hein, parce que depuis tout à l'heure ça coule. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Bon. Hop là. Alors, faudrait qu'on rechange l'électricité encore. Il veut même plus que je le fasse. Oui, là, il y a le bouton X. J'appuie, ça veut pas. C'est quand même fou. Ah, ça leur coûtait. Et à un moment donné, il va surgir, je vais me chier dessus. There you are. Il est coincé dans. Il est coincé là-dedans? Putain, je vais aller voir, mais je vais me faire. S'il est dedans, c'est rigolo, hein, parce que ça va me faire peur. Tenter de faire l'autre. Je sais que ça sert à rien en plus. Qu'est-ce que je suis con, hein. C'est fou d'être con comme ça. Ma mère me l'avait dit. Hein. Pas voulu l'écouter. Vous voyez? Ah puis on peut même pas aller hop. Ah putain. C'est bien ça, hein. Enquêter, trouver la source du bruit mystérieux. Bon bah on retourne là-bas. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Mais tout à l'heure, ça a fait R.U.R. Donc. Normalement, quand ça fait R.U.R., c'est qu'on est proche. Oui, je sais, c'est ma manie d'aller dans les tuyaux. Mais je sais pas pourquoi, je me dis que ce serait une bonne idée qu'il soit coincé là-dedans. Toujours un petit peu envie de dégueuler. Hein. Ah, mais il y a une autre porte. Oula. Ça, ici, fais-le bien. Ok. C'est bon, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Her too was showing me a simulator. We are trapped in a hypnotic loop.
As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. How on earth does this work? C'est une perceuse là qu'elle a pris? Ou c'est un pistolet à clous? Ouais, c'est ça, c'est un pistolet à clous. Oui, là, il me dit tout là, demander de l'aide, utiliser le micro. Oh là 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 là! Salut mec! Oh bah, oh! Comment on est rentré déjà? Par où? Ouais, ok, je vais mourir. Si j'arrive à me barrer. Allez, allez, allez. Allez, cours, cours. Cours, Forest. Pourquoi il m'a pas vu là? Allez, cours, cours. J'ai rien compris. Battez porcelaine en utilisant les lumières des cages. Je le fais là. Non, mais non. Mais non, non, je l'ai eu là. Non, mais je l'ai fait. Non, mais ça bug. Putain. Non, je veux pas prendre ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bébé là. C'est bon. C'est bon. Il est parti par où? On s'en fout, on se lève. Bon, c'était un petit peu hasardeux encore, hein. Mais pourquoi ça fait des lumières comme ça, déjà, j'ai envie de vous dire. Enfin, j'ai envie de vous demander.
C'est bon, on a sauvegardé. Mon Dieu. Il est parti. Très bien. C'était là, hein. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que quand on était en... Quand on était en mode... Putain, mais j'avais la perceuse en plus. Putain. Je m'en suis même pas servi. Quand on était en mode... papillon, là. Enfin, moi j'appelle le mode papillon à la troisième personne. À aucun moment... Enfin, quand on arrivait près des cages à poules, là, il me mettait qu'on pouvait interagir avec X, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut le faire avec elle. Donc, il y a plein de petits soucis comme ça. On m'était tout cassé. Ah, tiens le coup, allez tiens bon là, c'est pas le moment de flancher là. Ah ça va, Céline. C'était trop d'un coup pour elle. Elle a pas tenu le coup. On peut la comprendre. Alors le trophée s'appelle Fille de personne. Avec un S. Elle a pas tenu le coup. Bon, je sais pas, l'histoire me plaît, mais en même temps il y a plein de soucis. Bon, on va continuer, hein, mais on fera ça dans une partie numéro 3. Là, je pense qu'on va avoir droit à une petite cinématique. Là, ça fait déjà quoi, 2h20? Je pense qu'on va avoir droit à une petite cinématique là. Normalement. Voilà. Ah, Daryl Picture Presents. Le réalisateur du jeu l'avait posté cette vidéo-là sur son compte Instagram. Ce petit court-métrage en noir et blanc. Did you find the movie? They have tons of films here. This place isn't so bad after all. Just kidding. Let's go, you and I. Seriously? Look, you're the only thing that has ever made me feel alive. I want to start over from scratch. Explain to me, what exactly are we looking for? Shh, we have to be quiet.
Ashman always keeps some cash in the office. For small emergencies, etc. Yes, yes, yes! I like getting myself into trouble. Let's call it a compensation for our services. I wonder if I'll also find my violin. I haven't played it in ages. How long ago did you get here? It will be 2 years in November. I needed a roof over my head. Ashman was rebuilding his new project, the hotel. So, here's the new maid. What about you? How was the Flemington Girls and whatever it's called? It wasn't bad, more than anything. Well, I couldn't bear... We're here. And before that? I ran away. At least, that's what I remember. Lynn, it's a sad story. I left it in the past. Do you ever feel the urge to rewrite it all? Change life? Change name? Feel like a whole new person? All the time. Locked, obviously. What now? Wait, I can try to force it. Have you done it before? No, but I've seen it being done. So, you became a professional after watching it being done? No, but I'm a quick learner. Well, hun, let's roll up our sleeves. Can you imagine Ashman's face when he finds out we used his money to pay for train tickets, hotel, and the contest sign-up fee? Okay. Yes, he will lose his shit. Ok, on est juste devant la petite porte, on va se laisser là pour cette deuxième partie de Remothered Broken Porcelain. Je vous remercie de m'avoir suivi et spécialement monsieur 4813M76 pour le follow, c'est très gentil. Je vais mettre la PS4 en veille et on reprendra demain, pareil, à 19h pour la partie 3 de Broken Porcelain. Voilà, je vous embrasse fort et prenez soin de vous.